Wednesday, the 22nd of July, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martin Wendy. Good afternoon, Danigasa. You have the headlines. The National Pilot Enterprises Nursery in Adeya graduates its first batch of learners at the event, which is currently taking place in the Senaga Maritime Division, is presided over by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basile King III. And today is a World Brain Day. Our guest this Wednesday is Professor Alfred Njamshi. He is the founder of BRAIN, that's Brain Research Africa initiative. He will be talking about a World Brain Day commemorated every 22nd of July under the theme this year, under the theme Pakistan Disease. He will also talk about the nationwide survey on COVID-19, which begins in the country today. And if you like tourism, swimming, waves and some fresh fish, then you will be served this afternoon, as our feature page will lead us to discover the prominent Buamanga area in Kribi. This and more we'll be giving to you in a couple of seconds. But first, let's have this breather. In this connection, we should avoid stigmatizing. Madame, Monsieur, bon après-midi, merci. Au Cameroun et ailleurs, et je me réjouis qu'une entreprise française participe également à la lutte contre la Covid-19 et qui s'intègre dans les efforts qui ont été faits par d'autres entreprises ici au Cameroun, comme le sait Monsieur le ministre, avec du gel, des dons de gel hydroalcoolique, de masques, de tests, etc. Donc voilà, c'est bien la concrétisation de l'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Et quand on est en difficulté, c'est important de venir et de répondre aux besoins qui sont exprimés pour le bien de la population du Cameroun. Voilà, je voulais remercier CMACGM et puis Monsieur le ministre également d'avoir participé à cette cérémonie de remise. Merci. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'ONG Plan International Cameroun au chevet de plus de 14 600 ménages du Mayo-Tchanaga dans la région de l'extrême nord. L'organisation non gouvernementale a mis à leur disposition des seaux à robinet et du savon de ménage pour mieux se protéger contre la pandémie. Malmoussa, le Doublaise, nous en dit plus depuis Maroua. En décidant de mettre à la disposition des 10 localités du Mayo-Tchanaga ces milliers de seaux à robinet et de savon de ménage, Plan Cameroun répond ainsi à l'appel à l'Union sacrée lancé le 19 mai dernier par le président de la République dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Plan Cameroun a développé un plan de riposte dans l'axe eau, hygiène, assainissement. Il y a l'appui en kit d'hygiène et en kit de désinfection qui a été fait à l'endroit des communautés. Aucune action n'est donc de trop dans la croisade contre cette pandémie qui a déjà endeuillé plusieurs familles dans l'extrême nord. La situation du coronavirus dans l'extrême nord est sous contrôle. Nous avons moins de 150 cas enregistrés, donc presque 80 guéris. Nous avons eu 6 cas de décès, malheureusement. Le plan Cameroun a vu naître. Mais nous demandons tout de même que cette action soit élargie à d'autres départements. Les bénéficiaires voient ainsi leur capacité de lutte contre le Covid-19 renforcée. On a d'abord sensibilisé. Nous voici aujourd'hui en train de prendre les cadeaux qui vont vraiment nous aider. Ça va aider nos enfants, ça va nous aider nous-mêmes, nous protéger de la maladie. Le don anti-Covid-19 de Plan Cameroun a également touché la délégation régionale de la santé publique pour l'extrême nord, qui a reçu des kits de sensibilisation, de protection et de désinfection. Dans la même veine, l'hôpital de district de Foumban dans le Noun, région de l'Ouest, vient de bénéficier de 2 respirateurs, un don de la communauté Bamoun d'Italie.
Les hôpitaux de district de santé de la région du Nord-Ouest davantage outillés pour renforcer leur capacité de prise en charge des malades du COVID-19 et ceux des autres pathologies. Ceci grâce à cette décision du président de la République qui a ordonné le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux de la région. Mais également, on va plus parler ce midi de ce don offert par un élu de la région, un don aux mairies de Bamenda 1, 2, 3, mais également des bourses d'études aux détenus mineurs de la prison centrale de Bamenda. Valentin Kwa de CRTV Nord-Ouest nous en dit plus. Le don présidentiel en faveur du renforcement du plateau technique des hôpitaux des districts dans le Nord-Ouest est constitué des lits, des matelas, des kits de chirurgie, des appareils de radiographie entre autres. Un geste qui vient dans un contexte où la région totalise déjà 39 décès au COVID-19. Il s'agit d'un don d'équipement d'un peu plus de 500 millions pour adresser non seulement les problèmes liés aux blessures et autres incidents liés à la crise que nous connaissons dans la région, mais surtout maintenant par rapport à la lutte contre la pandémie COVID-19 qui affecte déjà gravement notre région et en particulier la ville de Bamenda. Il s'agit au total de 19 centres de santé dont les besoins en matériel médicaux ont été identifiés. Adolphe Lélé Lafrique, en procédant à la remise de ce don, a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage dans la lutte contre le COVID-19 et autres pathologies. C'est des équipements qui vont améliorer le plateau technique de l'hôpital district de Mbengui, mais aussi ça va nous permettre de vite diagnostiquer, de vite aider la personne qui est souffrante. Le Nord-Ouest totalise à ce jour 610 patients positifs au coronavirus et 390 cas guéris. Des chiffres relevés au cours de la réunion d'évaluation de la situation sanitaire dans la région tenue un peu plus tôt en matinée. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV network. And within the framework of the cooperation between the Republics of Korea and Cameroon, the International Cooperation Agency, COICA, and some French agencies has been making some donations to the Ministry of Public Health. Our reporter Alice Mbe was at the event and brought back an excerpt of an interview, the excerpt of an interview of one of the donors. To show our solidarity with the Camerounese people. We are a Camerounese company since more than 15 years now, and I am very proud to contribute, to help, and to develop our partnership with the Cameroon government and population. And we move up to the Adamawa region, where a professional training structure known as Canet Lagos, attached to the Ministry of Employment and Vocational Training, has organized a one-day training workshop to empower youth on the appropriate use of information and communication technology tools when conducting video conferencing sessions. The seminar has brought together some 20 participants who have appreciated the exercise. Sadu Yaoba was a part of the seminar and now reports from Goundary. According to the head of the center, there is need to organize such a training workshop because the use of ICT has become invaluable in the management of projects featuring digital aspects. Also organized to provide job seekers with relevant skills in several domains, like the establishment of communication strategies while organizing video conference sessions, the seminar has brought together some 20 participants who took it as a challenge to make into practice the acquired skills. This training is very important due to the pandemic situation we are facing today. We had to stay at home more than 2 months, and within those 2 months, we were obliged to teach our students, but without being in a class. So I think this seminar is going to help us to know how we can manage a digital class. Like her, many have promised to share knowledge acquired with the rest of the community to build a society which reflects standard norms of technological evolution.
And over in the Northwest region, the governor of the Northwest has issued a warning to people in the region who continue to be negligent in not respecting the COVID-19 preventive measures that they will be punished severely. Adolf Lele Lafrique issued the note of caution in the capital city, Bamenda, while distributing government's COVID-19 protective kits worth over 500 million francs CFA to some health facilities in that part of the country. Mercy Kusi with the details of that story from Bamenda. Health workers in the Northwest have raised concerns over the lackluster attitude of the population regarding COVID-19. It is on record that 33 out of the 610 confirmed cases have fled treatment centers, and community transmission of the disease is alarming. This has pushed authorities in the region to announce stricter preventive measures. The security services has been instructed under the supervision of administrative authorities to sanction those that are not respecting those measures all over the Northwest region. To reinforce the fight against the pandemic, government has made available this kit to 11 health facilities across the Northwest. So the Mbengue District Hospital has received 15 beds, one minor surgery kit, one X-ray machine, and one portable ultrasound. First of all, these equipment are very, very much important to empower the quality of services that the Mbengue District Hospital can offer to the community. Part of the items are destined for a new quarantine center set to be under construction in Bamenda. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Regardez le 12 sur la CRTV. La Journée mondiale du cerveau se célèbre ce 22 juillet, ainsi que la Semaine camerounaise du cerveau qui est lancée ce jour. L'événement vise à renforcer l'attention accordée à la santé cérébrale et à la prévention des maladies cérébrales. Les activités vont se dérouler tout au long de cette semaine, et notre invité déjà sur le plateau, Diane Gassa, professeur Njamchi est là. Definitely, and as rightly announced, today is definitely World Brain Day, and our guest this day is Professor Alfred Njamchi, founder, executive director of Brain, and he's here to give us all the details we need to know as far as brain diseases or issues are concerned. Good afternoon, Prof, and welcome to the Midday News. Thank you very much, Diane. Thank you for inviting me. Now, we want to, today it's true, we'll be focusing on the brain diseases and COVID-19. But first, before we get to that, what is a brain disease? Well, if you permit, let me just express the gratitude of our organization to the Prime Minister, Head of Government, who is patronizing this week, as he did last year, and thank the government for all the support and for CRTV for all the support that we are receiving. Okay. We are organizing the Brain Week in Cameroon, and starting today with the World Brain Day, because brain diseases are very important. In fact, without even diseases, mm-hmm. having a normal functional brain is very important, because everything that we do depends on the health of our brain. Mm-hmm. This year, the theme for our week is COVID-19 and chronic brain disease. Mm-hmm. And of course, that theme was inspired by the situation we are living. And when COVID-19 started, people thought that it was only a lung disease. But it is well known now that all organs of the body can be affected, and the brain in particular can be affected by COVID-19. Now tell us, Prof, I'm sure most of our viewers are intrigued there. They want to know exactly how COVID-19 will affect somebody's brain. Because the pathology of COVID-19 has been discovered that it's actually a problem of clotting in blood vessels. The virus causes clotting. And when blood vessels are blocked in any organ, they can suffer. For the brain, it would be strokes. It can be epilepsy mm-hmm. as a result of that. It can even lead to dementia, that is loss of memory, loss of brain capacity in the long run. And that's why we are focusing on chronic brain diseases that we may have, or some people who had COVID may develop in the long run. And our idea is to try to survey
how Cameroonians, all the general population, is following the 20 measures that the government put in place, because these are very important. So we've organized an online research on that. And it's very important because it can affect just anyone, young, old, the most vibrant too, sometimes could be affected. Is that right, that the brain disease can affect everybody? Yes, brain diseases can affect anybody. In fact, there are brain diseases even that start while the child is still in the womb and in infancy until old age. Mm-hmm. As long as we have a kicking brain, it can suffer at any time. It's a wonderful organ that we need to protect. Mm-hmm. And how do we protect our brains, Professor? We protect our brains by using them. That is doing intellectual work, okay, eating well, fruits and vegetables, doing physical exercise, and avoiding smoking, head trauma, and anything that will affect our brain. And then having good relationships with people. Very important. And what do you have to say about those people who think that if you study a lot, if you read for long hours all the time, it could damage your brain? Now you're telling us to use our brains wisely. What do you have to say about that? The wise use of our brains also involves having good sleep. Okay. Sleep is very important for brain function and brain preservation. And then avoiding stress is also very helpful for brain health. Now let's talk about your activities. The Brain Week is launching Cameroon today. What exactly do you have when we know that with the COVID-19 activities, people are not really advised to get together? How do you intend to commemorate this week or this day in the country? We've streamlined our activities from last year. We've streamlined to be in accord with the measures that the government has prescribed. And that's why the launching, there is no ceremony. Mm-hmm. And this is the launching as we are here on the news. And then as from tomorrow, there will be free consultations in several hospitals, regional hospitals, district hospitals, and first and second category hospitals in Yaoundé and Douala. And then on the Wednesday, we'll also have an international webinar on chronic diseases. Mm-hmm. That will continue. And on the 29th, that is next Wednesday, there will be at the Central Hospital Yaoundé a seminar involving general practitioners, medical students, residents on Parkinson's disease. Okay. Because the theme for the World Brain Day is Parkinson's disease, which is one of the chronic diseases of the brain. Before you go quickly, I'm sure if I don't ask this question, our viewers will not be happy. What are some of the signs to watch out for if your brain has an issue? Let me take Parkinson's, for example. Parkinson's is a disease that appears in elderly people. Mm-hmm. And the first symptom is that one finds that they are trembling. Okay. The hand starts to shake and they cannot control it when they are at rest. Mm-hmm. And they have difficulties initiating movement. So if somebody is shaking abnormally and cannot control it and has difficulty initiating movement, they may have Parkinson's. It's good to consult because they can be treated. Thank you so much, Professor Alfred Jamshi, for coming. I remind our viewers that you're the founder, executive director of Brain, and you need to watch out. Take care of your brains. Have a beautiful day ahead. Thanks for the invitation. And the other part of the news is with you, Martine Wendinge. Et l'actualité du jour d'Angassa, c'est également avec la sortie solennelle à Edea dans la région du littoral de la toute première cuvée d'apprenants de la pépinière nationale pilote d'entreprise. Un programme placé sous la tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, et dont l'objectif est d'outiller les jeunes Camerounais porteurs de projets bankable. La cuvée de jeunes entrepreneurs à l'honneur ce jour est composée de 18 apprenants qui, pendant plusieurs mois, ont bénéficié d'une formation pour acquérir les compétences dans divers champs d'activité comme le marketing, la productivité, la qualité et le packaging, entre autres. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilekine III, préside la cérémonie de sortie. Nous étions supposés avoir des images. On reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Une nouvelle phase dans le processus d'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie. Le ministre de l'économie à la mine, Ousmane Mey, et l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Marco Romiti, ont co-présidé ce mardi à Yaoundé les travaux de la première session de l'année 2020 du comité ad hoc d'orientation et de suivi de l'accord relatif à cette résolution. Sur les conclusions de cette réunion, voici le compte rendu de Franck Evina. Entre le Cameroun et l'Italie règne une relation de confiance et de transparence. De bons rapports qui ont conduit en 2016 à la signature d'un document cadre sur l'orientation et le suivi des projets nés de l'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie. Après le précédent triennat marqué par la réalisation de nombreux chantiers dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'Est,
Le triennat 2019-2021 entre dans sa phase d'implémentation avec une enveloppe de 15 milliards de francs CFA. Il s'agit de construire des écoles complètes ou des centres médicaux. Il y a même un centre contre les cancers, une formation. Le ministère de l'économie chargé de l'orientation de ces fonds a déjà son journal de projet. Pour un début, 12 milliards de francs CFA seront injectés dans les régions économiquement sinistrées. Nous avons choisi d'aller vers un nouveau paradigme qui vise à soutenir les régions qui sont quelque part défavorisées pour améliorer les conditions de vie des populations en matière d'accès à l'éducation, à la santé, développement des activités génératrices de revenus. À l'extrême nord, au nord, à l'Adamawa et à l'est, initialement retenus lors de l'établissement du document cadre, pourraient s'ajouter le nord-ouest et le sud-ouest. L'accord bilatéral sur l'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie est valable jusqu'en 2042. Dette totale à éponger, 99 milliards de francs CFA. Le représentant de la délégation de l'Union européenne était au ministère des Finances. Son Excellence Hans-Peter Schadek, en fin de mission au Cameroun, est allé dire au revoir à Louis-Paul Motazeu, le chef de ce département ministériel, qui a apprécié le travail effectué ces trois dernières années par l'ambassadeur européen. Je vous propose d'écouter Son Excellence Hans-Peter Schadek dans cet extrait sélectionné par Cyril King-Mbepe. Je suis au terme de mon mandat ici au Cameroun, un mandat de 3 ans, et je crois que c'est de bon usage de dire au revoir aux partenaires, aux interlocuteurs importants pour notre travail diplomatique et technique ici au Cameroun. Au niveau des réformes des finances publiques, où nous sommes un partenaire de longue date du Cameroun. Donc c'était 3 années denses, je dirais. Et évidemment, plein de défis au-delà du travail, disons, des routines. Mais ce qui s'est ajouté à la fin, c'est la crise de Covid qui intervient depuis le mois de mars. Thank you so much for watching the midday bilingual newscast. The Minister of Finance, Louis-Paul Motazeu, yesterday granted an audience to the outgoing European Union Ambassador to Cameroon, Hans-Peter Schadek. The discussion centered on Cameroon-EU relations. Hans-Peter Schadek has served as EU Ambassador to Cameroon for 3 years, and in the following excerpt of an interview conducted by a reporter, Iwane Pole, the EU diplomat talks about the economic ties between Cameroon and the European Union. There has been a very close and fruitful cooperation between us and the Ministry of Finance. As you know, we are engaged in supporting the reforms that the minister is leading. And of course, this is a process that is very important and has all our support and attention. So we work together on this. You may have seen me sitting in the committee where we discuss as a group of donors with the minister on the economic reform process. There was good progress, but of course these late months we also met the COVID crisis, which made it necessary in a way to review the forecasts and to review the prospects for the economy worldwide in Europe but also in Cameroon. Cameroun, Guinée équatoriale, l'accord de coopération de sécurité et de défense transfrontalière est signé. La copie finale était lue et rendue hier à Sipopo, à Malabo, par les ministres de la Défense des deux pays. La délégation du Cameroun a été reçue en audience par le président équato-guinéen, Son Excellence Obiangema Mbatsogo, satisfait de cette issue heureuse. Les temps forts de la journée et les termes de l'accord avec Steve Tchega et Kembenge, envoyé spécial de la CRTV à Malabo. Faire de notre frontière un trait d'union en train de toucher le but. Si près du but, le chef d'état-major des armées se réjouit des avancées majeures du projet de signature de l'accord. Avec le général des corps d'armée, René-Claude Meka, son homologue guinéen, le général Lamberto Nguema Minsa, est d'accord. C'est l'harmonie des voix de la réunion d'experts tenue à Sipopo, à la banlieue sud de Malabo, dans la tranquillité d'un huis clos au bord de l'océan Atlantique.
Ici, ils auront eu un œil sur l'urgence de la surveillance maritime, mais également la surveillance des frontières, des 189 kilomètres de frontières. C'est un bon vent dans les airs qui a fait atterrir la délégation camerounaise quelques heures plus tôt, à 9h45. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, est accompagné par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka. Ils sont accueillis par l'ambassadeur Lazar Mpoel et le ministre de la Défense guinéenne, Leandro Bakal Nkogo, qui va ensuite recevoir son homologue en audience. Et dans la foulée, des travaux débutent dans l'après-midi à Sipopo. Il s'achève sur ces mots. Nous allons déjà tout avancer et nous allons tout simplement voir si le rendu que nous avons proposé a été bien fait. C'est presque acté. Toutes nos excuses pour la fin de ce papier, vous avez dû certainement corriger par vous-même. Il s'agissait du jour de signature. Nous allons revenir sur les résolutions de cette rencontre de Malabo dans nos prochaines éditions d'information, Madame, Monsieur. L'actualité dans nos régions est rythmée par la tenue des sessions des conseils municipaux et l'installation des nouveaux maires. Prenons les échos des conseils à Touba dans le nord-ouest, Mbongue dans le sud-ouest et Kiossi dans le sud. Et faisons en même temps connaissance avec les maires de Bankim et du Mayo d'Arlé, installés récemment dans l'Adamawa. Et c'est dans cette mouture. Selon le maire de la commune de Touba, Tanjong Martin, 5 projets sont réalisés à 100% et certains en cours de finition. La commune de Touba fait également face aux problèmes d'eau potable, d'électricité, de route et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans ce sens que l'exécutif communal a repaufiné certaines routes municipales. Le maire Martin Tanjong a réitéré son engagement de faire respecter les mesures barrières dans sa commune. La réunion qui s'est tenue à Mabonji, près de Mbongue, a permis aux conseillers d'évaluer ce qui a été fait jusqu'ici en termes d'exécution du budget de l'année en cours dans leur municipalité. Selon le maire Chief Daniel Mata Mokambe, de nombreuses réalisations ont déjà été enregistrées. L'autorité administrative les a également encouragés à poursuivre les efforts dans la lutte contre le coronavirus au sein de leur municipalité. Kiossi, plaque tournante des échanges commerciaux entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. L'exécutif communal ne baisse pas les bras sous la conduite du maire Jean-Marie Zouezoué. Il s'engage à s'adapter à ce marasme économique en diversifiant les initiatives et en poursuivant avec la réalisation des projets. Et parmi ces projets, l'amélioration des conditions de vie des populations avec la construction des points d'eau, l'aménagement des routes, la construction d'un foyer municipal. Démarche approuvée par le préfet de la vallée du Thème, Bouba Man, qui apprécie par ailleurs l'esprit d'équipe et de sacrifice dans cette municipalité, dont le compte de gestion 2019 approuvé après examen municipal s'élève à 552 millions de francs CFA. La ville de Bankim accueille son nouveau maire dans une effervescence singulière. Échappe autour des reins, macaron apposé sur la poitrine. Le maire, Angèle Benvin, ce technicien vétérinaire présenté comme un homme au profil et compétences avérées, promet de faire de Bankim la ville la plus merveilleuse où vivent les populations heureuses. Angèle Benvin, le nouveau maire, est secondé par Madeleine Ngon et Bertin Adamou, respectivement premier et deuxième adjoint. Améliorer le quotidien des populations de Mayo d'Arlé est le principal défi de l'exécutif municipal, désormais conduit par Dada Fatimatou, épouse Aliou. La cérémonie d'installation de celle qui est par ailleurs inspecteur principal des régies financières impôts a donné l'occasion au préfet Charles Goll de saluer le dynamisme qui la caractérise. Âgée de 42 ans, Dada Fatimatou, épouse Aliou, entend également promouvoir l'épanouissement des femmes dans l'arrondissement de Mayo d'Arlé.
And as announced at the start of this newscast, if you are a lover of tourism, then you will be served, because our feature story takes us to Kribi in the South region to discover the famous Boamanga area, where fresh fish attracts tourists from Cameroon and beyond. The busy environment harbors a whole chain of activities which range from fishermen, vendors and consumers. And if you want to know why the unique bar fish from Kribi is always very fresh, then let's now follow Emmanuel and Vemi to the beautiful touristic town of Kribi. Engine boats lined up the coast of this landing station in Boamanga as fishermen head back from their catch. There is a lot of life in the wharf. The sea and fish has given birth to side jobs for youths here. It is a whole chain, those who own canoes. You need people to go to the water and look for the fishermen. We have three fishermen per canoe. When they bring back the catch, we have a group of children who are working with us here in charge of removing the fish from the canoe and bringing it to the hall for selling. We also have people like the guys who are selling ice. They say fish from Kribi is so fresh, it is because of the ice that we use in conserving the fish. The fishing boats are being fabricated on the spot. Others mend it and the nets made ready. Heaps of ice for fish conservation head for the canoes, same for gallons of fuel. Another fish expedition can now be undertaken. Before they go to the water, we buy all that is necessary for them for the 3 days they are going to spend inside the water. So when they come back, we sell the fish. We remove the expenditures and then we divide the remaining by seven. Samuel is the star of the day at the landing stage. He just returned with a heavy catch of the bar species of fish, some weighing up to 15 kilograms per fish. We use appropriate material to dive into water like 25 meters deep and shoot at the fish once we see it. I am satisfied because I spent 2 days at sea. I came back with close to 150 kilograms of fish. It's brisk business in the wharf with fish vendors who buy for resale. Others buy to roast and each finds their fuel. À tous les amateurs de poissons frais et à tous ceux qui sont à table, nous vous souhaitons une bonne dégustation. Madame, monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce mercredi. Demain sera certainement un meilleur jour. Merci d'avoir regardé. Nous serons là demain lorsqu'il sera 12 heures. Merci de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Diane, see you tomorrow. See you tomorrow and have a beautiful day in the company of our programs. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Thank you.